Par contre, je comprends pas le. On a de la monnaie locale, mais je vois pas à quoi ça me sert pour l'instant. Et j'ai envie de faire. Je pense que ce qu'on peut le faire. Le tout, c'est pas de déclencher la mission de l'autre qui est à l'arrière de l'église, parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Ah, et peut-être que là, lui mettre sa vie. Sa... On est de nuit ou pas, hein? Non, on est de jour. Cinq tirs dans les membres, ok. Ah, il y a le brouillard. Est-ce que ça vaut le coup? Si je mets ça, est-ce que ça va dans le brouillard? Non, c'est réduit de nuit et secteur souterrain. Donc en fait, ça me sert pas là actuellement. Il est où le gars? Il est là. Just like watching me walk. Okay. Kalina here. De toute façon, le tout, c'est de dézinguer les. What? Certainly. Là, par contre. Merci. S'il vous plaît. Babusia taught me to hunt this way. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Wolf is on the prowl. Lui, je pense que je peux le dézinguer de derrière. What? Ah, j'ai fait le torse. Watch this. Can't see me now, can ya? Bon, lui, il comptera pas. Mais au moins, il est mort rapidement. Il m'arrange fortement. Attends, je vais peut-être avancer, lui. Par contre, il y a de l'essence. Donc ça, j'aime pas trop l'essence au sol, comme ça. Oh, putain. Il est vraiment pas mort? Target locked. The Major will hear of this. Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. When I was little, I would hide from everyone. Alors là, par contre, ah, putain. Je sais pas ce qu'il faut. Yes. On your mind. I could do this blindfolded and tied up. I hope doing this task felt as good for you as it did for me. Oh, oh, le double tir. Oh, le double tir était pas mal. J'ai beaucoup aimé le double tir de Kalina. Tir allié, non. Il est pas mort? Vraiment? Yo.
Yes? Aiming. Ready to shoot. 10 of you shall fall for every one of us! Kill confirmed. Bon, déjà, il n'y a plus les saignements, c'est déjà ça. Ben, de plus en plus résistant, j'ai pas forcément l'impression, mais là, on en a eu 4. Et il en reste combien? Plusieurs. Donc, il va falloir faire attention. Oh, yes. Get ready, we got company. I'll do my best. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. What? Intruders! Alarm! Hmm? Ah, je l'ai pas à cause de... Putain, mais comment je le rate? Déjà mets-toi à plat. Hein. Yes. Taking cover. Kalina here. I will watch over our party. Putain, mais je me fais mais déboîter. Got a clear shot here. Je me demande comment j'arrive à ne pas tuer de civils avec tout ça, tout ce grabuge que je fais. Yes. Let's move. I wonder what this is. Heading out. Let's go. Hmm? On my way. What's on your mind? Par contre, faut pas qu'on pille, ça c'est certain, faut pas qu'on pille du tout. Donc on ne pillera pas. Let's move. Yes. We'll do. Par contre, ça me plaît pas là où je suis positionné. Yes. The assertive type, eh? I like that. I spotted a creep. You know. After we lost the mine, I drew the short straw and had to go make a report. Yeah, the Major was furious, no? I was scared shitless he'd shoot me. But instead, he laughed and asked me to tell him exactly how the mercenaries did it. Oh, the Major is very smart. He was doing, how do you say, tactical debrief. Tactical debrief, my ass. I was telling him how Les Garçons bought it. And the old bastard was laughing and applauding. He said, they did what? Ah, that's how you do it. Damn. Makes you wonder. Yeah. Les gars, ils sont vraiment pas aidés, quoi. Bon, par contre, toi... Ah, Kalina, si t'as du tir... Oh putain, ils se planquent dans l'église, les connards! Caché. Putain, mais... Chier! J'ai pas de visée, j'ai rien. Faut vraiment aller les chercher là? Yo! Don't tease me. What it feels like being the one doing the staring. Yes. Acknowledged. Hmm?
Il a pas fait ça. Ah bah. Alors par contre toi. Vous avez tué un ennemi en tirant à travers un obstacle. Ah ouais, joli. Putain, j'ai pas de point de vue, j'ai rien. Que dalle, nada, que pouic. Putain, comment je vais chercher ce qu'on a? Ah merde, bah là je suis pas planqué du tout, c'est parfait, merci. Grenade, bazooka, bah, y a plein de choix, mais... Oh putain, ça... Oh, il s'est déjà pris... Oh, 33, il s'est pris quand même, hein. Bon, par contre, il y a un moment, faut arrêter. Bon. On n'a pas trop pris de dégâts pour l'instant. Bon, on va éviter le pillage par contre, ça c'est certain. Tant qu'ils sont pas amis avec nous, on pillera pas. Je pense que ça sera pas mal. En fait, le problème, c'est qu'il faut pas qu'on casse ça, parce qu'il y a un gars qui est planqué derrière, et il y a une mission qui est plutôt chaude si on n'est pas équipé correctement. Donc, ouais, ça veut dire qu'il faut pas qu'on pille du tout ici tant qu'ils nous aiment pas, quoi, les gars. Hein. On a que 5% de personnes qui nous apprécient, donc on va pas faire les cons. Il reste un gars, mais je sais pas où il est. Ouais, je crois qu'il est par là, le gars. En fait, le truc, c'est de pas toucher les bâtiments religieux, etc. Pour que la population même... Plus la population va m'apprécier, plus la mine va me rapporter d'argent. Parce que les gens, au lieu de planquer les diamants, ils vont vouloir m'aider. Mais compliqué quoi. Est-ce qu'elle peut monter là-haut? Non. Alors. Pour l'instant, on va juste se planquer là-dedans. Kalina ici. Pas de ligne de vue. Si, on a des lignes de vue. Et... Là. Oh, un petit 74 dans la... Ah ouais, t'as bien fait, ouais. Ah putain, il est bien planqué. Ah oui, d'accord, là je l'ai pas. Annulé.
Là, je l'ai pas du tout, en fait. Elle est pas dans... Qu'est-ce qui gêne ma ligne de mire? On va garder ça. On va garder ce côté-là, on sait jamais. Et fin de tour. Oh, comme j'avais raison. Pas assez, malheureusement. Ok. Bon. Alors, ça c'est du léger. On va mettre à Kalina. Pièce détachée. Ça on peut. Ok. Je vais essayer de papiller pour l'instant. Ça, faut pas qu'on y touche. D'accord, ok. Gilet flaque avec 49%. Alors, ce qui est rouge, on peut pas y piller. D'accord, donc on peut piller des choses, mais pas, pas des choses qui sont rouges. Ça, on va prendre. Alors, ça. Test de force réussi. 12 pièces! Tiens, c'est pas mal. Rouge égale pas bien, on est bien d'accord. J'ai vu qu'il y a quelqu'un avec qui on pouvait discuter de là-bas, donc on va peut-être discuter. Ok. Pièce détachée avec Wolf. Ok, ça, ça pose pas de problème. On va discuter avec lui d'abord. Hey, how are you, my friend? Take a look at what I got for you, eh? Acheter un magazine pour 10 000 dollars, une pomme par jour, ça fait quoi ça? Magazine, une pomme par jour pour 1 000 dollars. Peut-être pas piller le marchand. Ah, un pantalon, ouais, mais non. Ça ne m'intéresse pas. Un casque, ça ne m'intéresse pas non plus. We're moving. Kalina here. Yes? Et deux pièces détachées. All right. Ooh, what's that? Ah, on aurait une barre à mine de qualité supérieure. Pour l'instant, on va pas la prendre. On fait un peu attention quand même. Ouf. Bon bah le lance-fusée pour l'instant on n'y touche pas, mais on sait qu'on a un lance-fusée ici, s'il y a besoin d'éclairer une zone ou quoi que ce soit. Bah faudra y penser en tout cas. Deuxième lance-fusée. Celui-là on l'a fait, ça on l'a fait. On va discuter avec le curé. Welcome to the House of Blessed Spirits, a church of God and temple to the spirits. I am Father Tucker,
all are welcome here, especially if you have diamonds to sell. All sales contribute to the good of the village. The spirits guided the people of these lands long before they learned of Christ. The teachings of their ancestors must be seen in the teachings of the Lord if we want the people to understand. On est vraiment sur du vaudou pur et dur. Hein. But it is no secret that lately the people's faith has been shaken. The recent trouble we've been having here at the House of Blessed Spirits isn't helping. There has been a restless spirit scratching and poking around the church walls at night. Of course, I know it's just a man, but one no doubt possessed by an evil spirit. Please, if you could deal with this problem, I would be grateful. As long as the restless spirit persists, my flock loses more and more faith in my ability to give them hope and guidance. Once, I sacrificed a goat to try to coax the evil spirit out of him. But when I approached the man, he ran off towards the river. I wonder if he's cursed. He sounds cursed. I lost him along the southeast bank, not far from here. The smugglers have tried to catch him as well. La berge sud-est. On essaiera de voir ça. Vous achetez les diamants. The House of Blessed Spirits needs repairs and insurance payments need to be made. The humble profit I make reselling diamonds allows me to help those in need by offering them a free meal every day. But if you are interested in buying diamonds, I can sell you a few tiny pieces I have. On peut lui vendre des diamants pour 600. Parce que normalement, nos diamants, on les revend 500, donc... I need to make payments to my good friend, Boss Blueberry, so he can continue to protect this church from vandals and thieves. He is a good man. Not necessarily a kind person, but he is fair and never resorts to violence unless needed. Very well respected. He keeps the peace. My flock is very poor, but they sometimes find a tiny diamond, one way or another. And I always tell them, every diamond is clean in the eyes of God. Hello. This is no secret, I will tell you. My friend Lali at the flea market buys them from me and resells them on the black market. I am no trader, so I am grateful for his help in selling the diamonds. He is truly a godsend. Ah non, mais il est complètement bizarre, en fait. Il travaille avec la pègre et tout. Alors, on peut lui vendre un diamant. Parce que nous, ça nous rapporte 500, un petit diamant à vendre. Sauf que si on lui le vend pour 600, on est pas mal, quoi. Thank you. You are helping the poor people of Fleet Town. May the good Lord and the spirits around us bless your kind soul. Pour l'instant, on va le laisser. C'est toujours ça de gratter, on est d'accord. Hein. Pour l'instant, on va pas passer à l'arrière. Là, qu'est-ce qu'on a comme opération? Déjà, là, on est passé à 2900 par jour. On est à 18%. Voilà. On a Bourropus ici. Et on a dit qu'il y avait quelque chose au sud-est. Donc, par ici. Au sud-est de la rivière. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on peut entraîner de la milice? On va le faire. Est-ce que j'ai quelqu'un à soigner? Ah, mais Cléassim peut le faire, mais c'est celui qui va faire Kalina. Traiter les blessures. Parce que c'est Cléassim qui pouvait recruter plus facilement, mais... Et est-ce qu'on peut réparer quelques armes avec Wolf? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va réparer peut-être les snipers. Parce que c'est ce qui me fait quand même le plus défaut. Ça, c'est à 54.
Ah, tu veux faire l'exploration? Bah, on va le faire une fois qu'on pourra. Ouais. On va faire de l'exploration. Alors, le meilleur, c'est Fox. Bon, on va mettre Fox toute seule. Et entraînement de mercenaires. Personne, ok. Ah, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on peut considérer... Ah, il peut entraîner... Le temps que la reconnaissance se fasse autour. On a quand même mis de la milice sur ce secteur-là, j'aime bien. On va peut-être en profiter pour que les trois là s'amusent un peu. Et après on va faire ce secteur là puis le port. Parce qu'après est-ce qu'on a des infos? All done. If you need me, I will be reading my book. On va continuer. Parce que je regarderais bien ce secteur-là aussi. Le problème, c'est que j'ai peur que Fox soit blessé. Généralement, il se blesse, donc... Alors, Fox a terminé la connaissance des zones, a trouvé les renseignements des secteurs G7, I8 et jungle F8. F9, pardon. Quelqu'un au marché aux puces de Bourg aux puces est à la recherche d'un bijou perdu. H9. Un échafaud a éclaté, d'accord. Donc on a dit H9. Donc là, il y a un bijou perdu ici. On a trouvé F9. Alors, c'est où F9? F9, donc on a découvert ce secteur. Ok. Bon, pas trop blessé. On va aller sur ce secteur-là. I'm here, Chief. Ah, merde. On va devoir défendre là parce que... Mais ils sont pas trop nombreux encore. Mais ils veulent aller prendre le fort. Ben là, après, là, on est défendu là. Mais ils y vont à deux. On va se placer en vue tactique. Parce que si on arrive à tuer des gens... Watch this. Oula, ça s'est mal passé pour eux. On dirait les précédents mercenaires. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. J'aime pas trop beaucoup ça. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Oh les gros diamants. Un fusil à pompe. Ah, un tube en acier. C'est pas inintéressant. Ah, c'est sympa de faire du... Ouais, mais je sais bien. Et j'ai des choses, je sais pas quoi, à quoi en foutre, en fait. Donc, c'est ça qui m'emmerde. Non. Kalina, paie des pièces détachées avec ça. Little, I would hide.
everyone. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. My babusia taught me to hunt this way. Let's play hide and go seek, but with live ammo. Moving. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose par là. Hein. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Shall not make a noise. Quiet. Bon, ça s'est pas bien passé ici. Bon, par contre, on va aller se mettre ici. Ah. We're on it. Putain, il y a deux trucs. Il y a là et il y a là. You got it. Ok, on a éliminé des gars, mais on a perdu la ville. Ok. Et il y a un bijou qui est en train de se déplacer, qu'il faudra peut-être... bon, on va entraîner la milice ici, par contre. Est-ce que je gagne du temps si je fais ça? 23 heures. Ah, il faut vraiment... faut vraiment qu'on arrive à défendre la mine et qu'on reprenne la ville. Et qu'on défende la ville un peu mieux. Bon, on est là.